la patrouille à... Bah, c'est pas mal, tu sais que... On a mobilisé, je crois que c'est comme le cours du monde. Le là, il nous a mobilisé la citadelle. Juste derrière, on la voit, hein. On la voit la citadelle. T'as la montagne qui descend, on va couper, et on la voit. On voit les remparts un petit peu. Ouais, je dis... Je vous salue, bah, en fait, hein. Bon, je vais rester sur le plan général. Si, oui, on va à gauche, là. Voilà, on va à gauche, je... à côté de nous, là. C'est ça.
vont récupérer le... On appelle ça le... On va les voir. Avec Roussillon et les... Le poire au ocre. Vous savez, ça bout un petit peu là, avec la chaleur qu'il fait. Bon, là, il y a un peu de relief aussi. Ça a changé ce matin. Ah ben oui. Après, c'était... Donc là on a la Durance. Donc tout à fait au fond. On voit distinct au fond dans la brume. Des îlots de relief au fond. La Sainte Victoire. Ok. Le grand massif montagneux au pied de la Terre. Proximité de Aix-en-Provence. Devant nous, on a un massif montagneux qui descend. Et juste derrière, c'est la ville de Manosque. D'accord. Donc on va laisser Manosque sur la gauche. On va essayer de gratter 5-10 minutes sur le papier par rapport à notre heure d'arrivée. Pour nous, là-bas, c'est le Luberon que l'on voit. Ok, voilà. Okay.
Donc on était, voilà, sur le versant sud, là, elle est dans l'autre sens. On partait dans la scène victoire, donc on allait comme ça, et il était quelque part là-bas, justement, là. Total Arbert, vers quelle destination, s'il vous plaît? Total Arbert, avec les villes. Ok, c'est bien pris, pas de zone. On est à l'écoute de la fréquence, monsieur. On reste à l'écoute sur les villes. Ouais, c'est presque... Alors, attention, on a 3500 pieds, mais on est au sol, on a 3500 pieds, hein, c'est sûr. On nous a peut-être signalé des QNM maintenant dans le secteur Sisteron, soyez prudents. Ah bah ouais. Donc Charlie Delta, je vous confirme, il y en a un au côté de l'heure. C'est ça, ok. Donc ce gilet de papa pour passer avec Montpellier en France en 25-65, monsieur, au revoir. Dans le fait que vous nous avez aussi qu'on ait des QNM à Sisteron. Pardon, il est
Ok, pour en poser à Alès, je pense que vous serez posé avant que le para qui est en montée, qui passe 5000 en montée vers plus haut, ne largue ses clients. Donc pas de trafic connu à vous signaler, monsieur, gardez l'écoute. On garde l'écoute et on écoute également la fréquence d'Alès. Affirme. Combien est-ce qu'on appelle
Donc ça va être un petit peu plus...
Jean-Marc, il nous l'a modélisé un petit peu mieux au village de Bourne. Hein. Avec la trombe, ça va super bien ensemble, il a fait du très bon travail. Ouais. Alors, ça va, on ressent bien que après ces villages-là, c'est très compliqué à modéliser parce que le charlant pour avoir vraiment. On va faire un truc réaliste, on va faire un truc à zéro. C'est tellement spécifique. Un village sur le piton rocheux, quoi. Bon. Et en faisant un mélange entre les trois je pouvais faire ajouter. Paris a trouvé un point, bon après, tu vas voir la vitesse à laquelle on passe en avion. Pour info du parachutage, vous devez m'appeler, donnez votre IMAT complet. Vous voulez du confort, du stationnaire, ouais, je comprends que vous voulez un truc super réaliste. Un avion, c'est sa mère. C'est bien ce que j'ai noté, vous avez fait le bon point pour lui. C'est parfait. Extra 0, 35 à descente dans le patron. Il faut passer avec X. Alpha Zulu avec X, à plus tard. Alors il est en approche là. Tu peux ouvrir, ça tu verras mieux. C'est joli, hein, c'est sur un piton rocheux. J'essaye de détecter ça aussi à 2 minutes du largage. Encore, je trouve c'est plus joli en bagnole quand tu arrives. C'est bien noté pour info. Sensation de hauteur, qui déroute vers le nord. On va passer en 500 pièces, on peut sur lui et sur une mat, rien. Je l'ai en info. Ouais, faites pas perdre les gens, quoi. Toute la journée, si les avions ils passent à ras du sol, un peu respectueux quand même, hein. Le village de Bourim, c'est ça aussi. Oui, vous pouvez passer avec elle. La route passe là. Non, c'est là. Le village de Bourim, c'est avec assez spécifique dans le... dans la province. Vous voyez, c'est une petite maison en forme de... Oui, vous donnez votre note complète, s'il vous plaît, les Romains. Ouais, c'est le papa Golfi de Roméo, le plein 19 ans, on est en vue de des points d'entrée avec son... On arrive dans les zones d'Orient, là, on arrive sur les zones d'Orient. Vous fixez ma fréquence. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Marseille de Tango Novembre, pour quitter la fréquence à 2 minutes des zones d'Avignon. Tango Novembre, vous fixez ma fréquence, Avignon, 22-6, au revoir. 22-6 avec Avignon, merci pour le transit, bonne fin de journée, monsieur, au revoir. Si ça coule, on va faire une nouvelle prise à droite là. Mais j'ai pas passé trop près parce qu'il y a un mur. Avignon, Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour Tango Novembre. Bonjour, Fox Golf Bravo, Tango Novembre, Cessna 172 de retour de Montélimar. Par une boucle, nous faisons passer par Vinon, libéré par Marseille. On vient de passer Gordes, 1800 pieds, on a l'information Golf. À 2 minutes du point Echo pour complet sur vos installations. Et bien, 70-51 en début de base gauche, piste 17. Et puis pour la boucle, quand on est, on compte pas. Vachement, pour un chien, plus propre parce qu'on peut te garantir que
t'as pas de liqueur là, hein. C'est du monde qui laisse ta bagnole là. Hein. Aucun du tout. Il y a des choses qui sont peaufinées, pas besoin de bonnes affaires, mais il y a beaucoup de choses comme c'est la trappe au niveau. Hein. D'accord, ouais, c'est bien. Il y a énormément de touristes, beaucoup d'Anglais, d'Américains qui viennent de se faire fumer. Ouais. Reste poli. Voilà. Merci. Il m'a dit qu'il faut nous écouter ce message. Si vous nous écoutez, non mais ceci étant, répondons, c'est intéressant. Ouais. C'est très très joli à faire, hein. Il y a des canons à l'intérieur, un petit peu comme une mini remise, tu vois. Et, ouais, c'est très très beau. Voilà. Donc, je vois, ici, que nous, le chanteur Rondo, qui vit à deux sur la soirée. Et c'est pas non plus, je dirais... $17. On va mettre la vie un petit peu.
Vous avez entendu, hein, c'est les départs maintenant. Hein. Ouais, c'est ce que je disais aux camarades qui est avec moi. Hein, là, aujourd'hui, on arrive pile poil, un gros départ. On prend la piste en herbe tant que non, vraiment. Ok, ou sinon, vous faites un petit stand-by, l'histoire de 5 minutes de plus. Hein. C'est comme vous préférez. Hein. Oh, ben, la piste en herbe avec Tango Novembre, ça se fait très très bien. Il n'y a pas de souci, madame. Ok. Eh ben, on a l'autoroute en dessous, là. Ouais. Bon, ben, ça va, là, c'est... Allez, je vais faire un latéral. Oh. Salut papy. Alors non, on va sur la piste en herbe qui est à droite. Fox Tango Novembre, on est en finale pour la 17 herbe. Reçu Tango Novembre, poursuivi, rappelé en courte et l'ombre air au départ. On a visuel sur le trafic au départ, rappel en courte. Ok, vous aurez un phénomène qui remontera la 17 hein, sur la principale pendant votre arrivée. C'est bien pris Tango Novembre. C'est parti. Bon, lui où il va décoller, nous on sera déjà arrêté, donc pas de soucis. Fortune 505 Golf, enter backtrack 17 and report ready. And be advised, one Cessna 172 arrive on final for grass strip. Copy the VFR traffic and we will be ready on turnaround. Fortune. On va bien tourner l'avion, hein? 505 Golf. Copy, so enter backtrack lineup and I call you back for departure. Enter backtrack, Fortune 505 Golf. Mais c'est un gros en plus. Ah c'est un Embraer, oui. Un Embraer, ça fait combien à 320? Jazzy 501 Kilo, report passing 5000 feet, climbing 70. Book out Jazzy 501 Kilo. Donc nous on est sous le plan parce que la piste en herbe débute avant les plots IFR. D'accord. Alors que tu vois les... Le papy calculé sur les gros plots blancs, on appelle ça des plots IFR. Ça fait une éternité que je l'ai pas fait la piste en herbe. Ah ben tu vois. Courte finale Tango Novembre. Tango Novembre autorisé atterrissage 17 herbe 250 degrés 10 nœuds. On atterrit piste 17 Tango Novembre. Herbe. Herbe oui. Je rebondis un petit peu là. Et j'ai rebondissement. Rebond. Oh, il y a des grosses machines donc. Oh la vache. Tango Novembre, vous pouvez serrer à droite si c'est contrôlé. Serre à droite, Tango Novembre. Fraction 505 Golf, clear takeoff 17, wind 250 degrees, 10 knots. Clear takeoff 17, fraction. On arrive vite à la piste, t'as vu quand même, hein? Oh là là, j'étais qu'à 70. On arrive vite. Piste est dégagée, Tango Novembre. Reçu Tango Novembre, roulez, rappel au club. On roule, on rappelle au club, Tango Novembre. L'autre il décolle. Jazzy 501 Kilo, ready 95 and contact Marseille Control. 1, 2, 3, decimal 9 heures. 1, 2, 3, decimal 9 heures, Jazzy 501 Kilo. Bon. Ah, c'est pas Tango Novembre qui décolle là. Non.
extraordinaire ça. Et là, ça doit être 936 pour la mise en route sur Figari, s'il vous plaît. Ah, il est approuvé, donc le créneau à 14-16, vous m'appellerez prêt à rouler. On appellera prêt à rouler, et est-ce que vous avez déjà une expérience ou pas encore? Ah non, pas encore. Je pense que ça va être une Venta 4 Yankee. À part sur Figari. Bah, on prépare ça alors, merci. Ou peut-être on va essayer de maser 4 Yankee, sera peut-être plus simple. C'est ce qu'on pensait faire, ouais. Ok, on va essayer de négocier. Ce matin, le parking là, il était clafi de jet, hein. Ah oui. Clafi de jet. D'accord. Là, il y a la place de jet. Faut pas aller voir trop pièces de miracle, là, il y a un jet. On sait pas. Ah ben l'autre, il part à Figari, tu vois. Oui. Tranquille, hein. C'est 1h30, là, il est plus dans l'eau. Club pour quitter. Ça quitte en bas. Bonsoir. Termine un super vol là, encore une fois. Ah, c'était pas mal, ouais. Bon, tu as voulu faire du relief, on a fait un peu de relief. Ouais, la vache était. Et puis, la météo n'était pas forcément la plus, je dirais, favorable pour faire ce genre de choses. Mais bon, ça se fait, hein. Mais là, s'il avait fallu aller à Gapuka. Mais bon, moi, c'est bien, ça permet aussi de voir ce genre de trucs, hein, tu vois. Oula. Tu sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être rentrer le... Okay. Il repart là. Je il repart celui-là. Ouais, il repart dans 5 ans. Dans 3 quarts d'heure. Donc. À ce moment-là. Alors là, il dit quoi? 1h35. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah ben ça tourne vite le compteur. Ouais, c'est clair. Waouh. Waouh, 20 joules. Maintenant, le but du jeu. T'as tout ce qu'il faut. En principe, ouais. Je vais vérifier en mettant. Je vais commencer à m'installer haut à l'ordi pour pas. Yes. Temps. D'accord. Ouais, Pascal. Ouais, je te rejoins. Donc, j'ai une caméra sur la tête. J'en ai une là-dedans. J'ai ça. Ok, c'est nickel. Bon, ben, au revoir et bon vol.
c'est le festival, il y a encore un avion de voltige. T'as vu le petit pit qu'il y avait? Ouais, c'est excellent ça. LFMB, on est à 0056.